parler du saxophone, comme vous pouvez vous en douter, sous toutes ses formes, des grands, des petits, des tonalités différentes, et puis quelques instruments cousins ou annexes. D'abord, savez-vous qui a inventé le saxophone? C'est facile, c'est Adolphe Sax. C'était une époque où il y avait pas mal de musique militaire et il manquait d'instruments, on va dire, assez sonores. Cet instrument-là, c'est un ophicléide. Ophicléide, c'est difficile à écrire et c'est difficile à jouer. Si on met un bec de saxophone sur un ophicléide, ça donne ça. Relativement peu harmonieux, guère plus qu'avec l'embouchure, mais selon ce que l'on va se rendre compte, c'est que cet instrument-là se rapproche beaucoup de celui-ci. Vous voyez qu'on a relativement la même sonorité, et c'est pas par hasard que Adolphe Sax, le premier instrument qu'il a fait, qu'il a fabriqué, c'est un saxophone basse. Sax a présenté son instrument lui-même, il a été voir des compositeurs, il a présenté à Berlioz, à Rossini. Et puis Berlioz a écrit la première œuvre pour saxophone, qui est un sextuor de saxophone qui s'appelle l'hymne sacré, qui a été écrit en 1844. On va s'imaginer que les saxophones, ils pourraient avoir sa place dans l'orchestre, réellement. Le saxophone militaire, classique, non pas dans les orchestres, mais classique dans le sens classique du conservatoire. Et puis, le jazz. Le saxophone, il peut avoir d'autres formes. Il pourrait être coudé à partir d'ici, coudé ici, etc. Celui-ci a été fait exprès comme ça, droit. Donc vous allez voir, je vais vous jouer un petit peu l'alto et celui-ci pour voir la différence.